c'est l'argent d'abord. Et la famille après. À moins que ce soit l'inverse. Dans ma boutique, on achète tout et n'importe quoi. C'est souvent n'importe quoi d'ailleurs. Voyez cet objet. Je l'ai acheté 10 euros. Je suis sûr de trouver un client. À 80, sans problème. Voyez ça. C'est un appareil photo. Il ne fonctionne pas. Et pourtant, je suis sûr d'en tirer 2000 euros. Dans ma boutique. C'est l'argent d'abord. C'est vraiment un très très bel objet là. Très très bel objet. Magnifique. Magnifique. Hey, bonjour. Hey, bonsoir. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors aujourd'hui, moi j'ai un objet que je souhaiterais vous vendre. Ouais. Alors il est très particulier puisque date de ma grand-mère. Ouais. Et comme vous pouvez le voir, c'est un objet en bois. Ne me dites pas que c'est un rouleau à pâtisserie. Oui, c'en est un. Oh là là. Mais là il là n'est là pas là. Comme les autres. Non, je vous le voyez. Oui. Regardez comme il est brillant. Magnifique. Il appartenait à ma grand-mère. D'accord. Et je l'ai récupéré. Ça se transmet de mère en fille. Et j'ai à vrai dire une anecdote à vous raconter. Je vous écoute. Servi à concocter des tartes pour le général de Gaulle. Le général de Gaulle. Le général de Gaulle. L'unique, le seul. Et j'y tiens particulièrement. Ah bah j'imagine. Vous pouvez toucher. Je veux bien, je peux. Faites attention. J'aurais peut-être dû prendre des gants, non? Peut-être, mais cette fois-ci je vous laisse faire. Attention. Waouh. Il peut servir de longue vue. On voit qu'il a déjà été utilisé. Nous avons déjà eu ce genre de produit en magasin. Ouais. Et c'est un produit quand même extrêmement rare. Oui, il a une très belle histoire. Oui. Vous voulez le mettre en gage ou plutôt le vendre? Alors, je souhaiterais le vendre. D'accord. Vous avez un prix en tête? Alors, je pense, et je suis même certaine, je vous le vends à 10 000 euros. 10 000 euros, c'est votre prix? Je oui. peux. Attention, attention. C'est vrai qu'il a une histoire particulière. Et puis alors? Le son est juste magique. La sonorité est merveilleuse. Waouh, c'est vrai. Par contre, 10 000 euros, c'est une sacrée somme. Mais vous ne pouvez pas vous passer d'un objet pareil. Non, c'est vrai. Nous, c'est vous permettez que j'appelle un expert? Bien entendu. Évidemment, pour ce genre de produit, ce genre d'investissement, je ne peux pas prendre la décision tout seul. Il me faut l'avis d'un professionnel. Ok, très bien. Alors, je m'y connais un petit peu en rouleau. Hein. Oui. J'ai une femme qui fait des super gâteaux. Bisous à elle. Mais il me faut l'avis d'un expert. Très bien. Ok, on va appeler un expert. Ok. Allez, super. J'ai besoin de tes services à la boutique. Oui. Ah, on a un produit extrêmement rare. Je t'en dis pas plus. Oui. Allez, ça va, on compte sur toi. Super. À tout de suite. Ça va? Oui, très bien. J'ai contacté Tom, il arrive. Oui. Super. J'entends le général de Gaulle à travers cet objet. Oh, c'est magnifique. Il me parle encore. Il vous parle encore. Oui. Oh, magnifique. Je suis.
et Sérénité. C'est l'un de mon agence. Mon agence de... d'experts. Mon but et mon rôle, c'est de sentir les meilleurs objets les plus intéressants. D'où mon nom, expert. Donc, pour faire simple, je m'appelle Tom, je suis expert en stage. Oui, parce qu'en fait, quel était votre prix de départ? 10 000 euros. Et quel est votre prix de fin? 100 euros. 100 euros, c'est le prix estimé. Mais j'ai des frais dans ma boutique. Et il faut que je fasse du bénéfice. D'accord. Je ne peux pas vous proposer plus de 20 euros. Vous me prenez par les sentiments, monsieur. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il va falloir prendre une décision. C'est un très bel objet. Fabriqué en Chine. Qui a un très bon son, d'après mon expert. Et je fais totalement confiance à mon expert. Mais j'aime beaucoup votre produit. J'aimerais le voir dans la boutique. Bon, très bien. J'accepte. Mais okay. N'oubliez pas, le général... Ah, ça s'est servi de... Merci beaucoup. Vous allez passer à la caisse. D'accord. Et on va s'occuper des papiers. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je me demande à quoi il a bien pu servir ce truc. Elle avait l'air bizarre quand même.